Alors, les épinards et les laitues, eux, ils ont besoin que de 1 à 10 degrés pour lever. Une laitue ne lève que difficilement quand il fait plus que 20 degrés. Donc, la température du sol, plus que 20 degrés. Donc, ça, c'est pas à mettre près du radiateur. Ça, c'est à mettre dans la véranda, même dehors, hein, ils mettront plus longtemps. Mais bon, aujourd'hui, hier, on a eu du soleil, mais pour l'instant, cette année-ci, on n'est pas du tout gâté, donc on ne peut pas trop compter toujours sur le temps, mais ils mettront plus longtemps. Quand les conditions seront bonnes, ils vont lever quand même. Mais s'il y a moyen, dans une pièce, même non chauffée, une cave, etc., jusqu'à ce qu'ils commencent à germer, à ce moment-là, après, on les mettra plus à la lumière. Les pois, ça marche assez bien, il y a moins de production, hein, mais dans une serre froide, ou ce qu'on a un endroit qu'on a déjà cultivé plusieurs années, parfois des tomates, qu'on veut une fois changer d'endroit, on peut essayer les petits pois. Ça marche relativement bien, on les a 15 jours, 3 semaines avant ceux de dehors. Maintenant, les petits pois, moi je les sème, je les ai semés, ben, j'ai dit tout à l'heure, hein, dans des petits pots. Et quand ils ont 5 cm, je dépote et je plante à une bonne distance de au moins une vingtaine de cm, même 30 cm entre les poquets que je vais planter dans un petit pot, mais Michel va l'expliquer tout à l'heure. Alors, près de la vitre, j'ai mis un grillage et j'ai semé des pois nains, mange tout, la variété Norli. Donc, ça permet d'avoir, j'espère, des petits pois un peu plus tôt l'année. Voilà, donc ça ne va pas gêner du tout puisque le grillage est à l'extrémité de la serre. Voilà. Et comme les pois mangent tout, se consomment jeunes, donc on pourra en récolter pendant tout le printemps. Alors, dans le fond de la serre, j'avais semé des petits pois mange tout, ou aussi appelés pois gourmands. Alors, on peut voir que ça commence à fleurir. Les premières fleurs. Boutons en fleurs apparaissent. Voilà, les petits pois sont en formation là. On a déjà pu en manger une première fois. Les petits pois mangent tout. Donc on voit que le grain se forme, que les gousses gonflent. Premier petit pois au mois de mai. Donc je vais passer à autre chose. La mâche, la salade de blé, il faut une température de 15 à 20 degrés. Donc on dit on peut semer la mâche toute l'année, c'est vrai, mais il faut respecter les conditions. Donc là aussi, une mâche repique facilement. Donc il n'y a pas de souci à les faire pousser dans des pots, dans des bacs, dans les alvéoles, et ça Michel va expliquer aussi. Donc là, les plus grands ou les moyens, on sait mettre une graine, parce que la mâche a grosse graine surtout, donc c'est facile. On met une ou deux graines par petit trou, et puis quand elle a bien poussé, on va la sortir, on va la mettre en place à une distance voulue. Voilà, donc la mâche est plutôt frileuse pour lever. C'est pour ça qu'on la sème, quand on la sème au mois de juillet, août, souvent on a des très belles mâches pendant l'hiver. Alors. Mais là, les températures du sol sont respectées. Hein. Semer au chaud, les aubergines, les poivrons, donc ça, moi j'ai déjà commencé au mois de fin janvier. Donc ça, c'est le moment. Donc la température du sol, c'est 18 à 24 degrés, donc beaucoup plus chaud. Et ils resteront relativement au chaud par après. Une fois qu'on les repique, ils doivent rester assez chauds. Que ça tourne aux alentours de 18-20 degrés, c'est l'idéal. Les tomates, c'est trop tôt. Tomates, c'est début mars pour celui qui a une serre. Celui qui n'a pas de serre, c'est plutôt 15 mars, même fin mars.
Il faut aussi une température de 18 à 24 degrés pour les faire germer. Et après, eux, ils peuvent aller plus frais. À peu près une température du jour de 14 degrés. La nuit, il ne faut quand même pas trop que ça descende en dessous de 10. Mais beaucoup, beaucoup de lumière pour toutes ces plantes-là. Et le plus qu'il fait chaud, le plus qu'il faut de la lumière. J'allais dire quelque chose et j'ai oublié ce que j'allais dire. Je ne sais plus, tant pis. Voilà. Les courges, c'est trop tôt. Ah oui, la différence, pourquoi les aubergines, les poivrons, plutôt que les tomates, parce que la tomate pousse beaucoup plus vite. Et vous allez avoir des plants que vous n'allez pas savoir gérer. Ils vont devenir trop grands, trop fins peut-être aussi. Donc c'est quand même une culture qu'il faut un petit peu de travail, les tomates, je dirais. Il y en a qui les sortent le jour, qui les rentrent le soir, etc. On les sort en serre, après on les rentre le soir, quand on n'a pas les températures qu'il faut. Tandis que les aubergines et les poivrons, surtout, les poivrons poussent très très lentement. Ils ont besoin de beaucoup de temps pour germer déjà. Ils mettent parfois 3 semaines, si pas plus, avant de germer. Hein? Donc à ce moment-là, on arrive avec des poivrons qui vont peut-être plus mûrir en fin de saison. Hein? Tandis que si on les a plus tôt, on a plus de chances qu'ils mûrissent. Tout ça dépend de l'été, de l'emplacement qu'on fait, etc. Alors, je vais plus que dire ce qu'il faut semer, éventuellement sous abri. Donc, sous abri, les oignons hâtifs, les ciboules, les ciboulettes, les choux hâtifs, les cebettes, les laitues à couper de printemps ou de toute saison, le persil, au chaud aussi, hein, le persil. C'est pour ça qu'il va très bien à semer au mois de juillet-août. C'est le moment aussi que naturellement on obtient les graines. Et là, quand ils retombent sur le sol, ils vont germer plus facilement. Donc là, encore une fois, c'est parce que la terre elle est chauffée. Le persil se repique brin par brin, hein. Pas des touffes. Hein. On aura de 10 fois plus beau persil quand on repique à une bonne distance, au moins de 20 cm l'un de l'autre, brin par brin. Les poireaux hâtifs, c'est le moment. Les choux-fleurs hâtifs, les céleri à couper et les radis à forcer, et bientôt les radis ordinaires pour dehors aussi. Voilà, je vais laisser la place à Michel. Du cerfeuil, tu peux planter ça maintenant aussi. Je n'ai pas l'habitude de faire du cerfeuil, Michel. Le cerfeuil, tu sais ça. On peut semer assez tôt, mais il faut aussi une certaine température. Donc, alors quand on sème trop tard, après ça monte vite à l'aine. Donc, mais j'en parlerai un petit peu après. Bon, ben voilà, donc un peu de pratique, c'est d'abord un peu expliquer un peu de théorie de ce qu'on va faire après. Donc j'ai un peu expliqué le semis en caissette. Bon, caissette, on va dire, bah, c'est quoi ce caissette? C'est une ancienne dénomination, parce qu'à l'époque, les anciens jardiniers semaient en caissette de bois, en fait. Et c'était des petites planchettes de 8 mm. D'épaisseur, et voilà, ça permettait, c'était le seul matériau disponible à l'époque. Maintenant, on va plutôt parler de semis en barquette, en terrine, container, godet, et maintenant, il y a des plaques alvéolées, donc ça c'est quelque chose de plus récent, et qui est aussi intéressant, et j'ai un peu expliqué les avantages, mais aussi certains inconvénients. Donc, les matériaux, c'est souvent du plastique souple ou bien du plastique rigide. Alors, l'avantage, c'est que maintenant, si par exemple on prend alvéoles ou bien ce genre de truc-là, alors, c'est tous les mêmes dimensions, c'est légèrement conique et ça s'empile facilement, donc ça se range facilement.
sans avoir des piles de... Si par exemple on récupère des bacs en polystyrène, voilà, c'est très bien, il y a des avantages aussi, mais seulement on ne sait pas les emboîter les unes dans les autres, parce que c'est pas fait pour les semis, c'est plus... Ça c'est par exemple des bacs à poissons, on a conservé du poisson, donc voilà. Mais voilà, il y a toutes sortes de matériaux de récupération même. Donc ça peut être des pots comme ça, voilà, des bacs à moules. Voilà, tout ça c'est la récupération, les petits pots, voilà, c'est toutes des choses. On achète des plantes, ben voilà, on sait tout récupérer assez facilement. Alors, le but premier, c'est quoi? Le semis en terrine ou en cassette, c'est de hâter les cultures. Donc ça permet d'avancer, de commencer beaucoup plus tôt les semis que si on pourrait le faire en pleine terre. Parce qu'on est quand même dans une région septentrionale où on n'a pas toujours du beau temps assez vite. Et le temps peut très vite changer. On a des terres plus lourdes, plus froides. Et si on attend vraiment les meilleures conditions pour semer en pleine terre, ben, on se retrouve parfois déjà au mois d'avril. Et parfois, il y a des années, c'est presque le mois de mai. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire ces semis anticipativement à l'intérieur. Donc, lorsque les conditions extérieures ne sont pas encore optimum. Alors, c'est même indispensable, donc Ignace l'a dit, pour certaines plantes frileuses qui ne sont pas originaires de chez nous, par exemple tomates, poivrons, aubergines, c'est quand même plus des plantes méridionales. Et ben voilà, donc cela, si on ne les sème pas à temps, on risque de ne pas avoir assez de temps pour récolter. Donc, soit trop court, ou bien on aurait des récoltes vraiment minimes. Alors, on dit, tiens, on va faire ça au printemps, et après on oublie, ben non. En fait, on peut faire ça tout le long de l'année. Donc, et surtout pour les petits jardins, parce que ça nous permet d'avoir un stock de plantes qu'on a mises en végétation, et au fur et à mesure que dans le jardin, que le beau temps s'installe, ou bien qu'on récolte des légumes, on vient implanter ce qu'on a mis à l'intérieur. Donc les semis à l'intérieur, ben voilà, ils auront bien poussé, donc dans de bonnes conditions, ils seront peut-être moins sujets aux maladies, puisqu'ils ont bien poussé. Le tout, c'est peut-être aussi de les acclimater un peu avant de les repiquer à l'extérieur. Donc, souvent, lorsqu'on achète des plants, par exemple dans une jardinerie, ben, pour être sûr que c'est, par exemple, les plants de tomates, ils sortent de serre. Et si vous-même, vous n'avez pas une serre et que vous les plantez directement à l'extérieur, là, ils vont attraper le coup de bambou et le chocolat. Donc, un peu à la fois, il faut les acclimater, qu'ils s'habituent à l'extérieur. Donc on les sortira par exemple la journée et rentrer la nuit. Voilà. En fonction de la météo, si c'est trop frais, ben voilà, on les garde plutôt à la nuit. Donc ça c'est un peu un gestuel à acquérir. Alors on peut cultiver 2 à 3 fois plus de légumes au potager en faisant comme ça. Donc on se met à l'intérieur et en repiquant là, où ça se libère. Donc c'est une rotation de culture plus rapide. Voilà, des laitues, on a enlevé une laitue, ben, il y a déjà une autre qui est prête pour prendre sa place. Ou bien on met un autre légume, bon, peu importe. Donc le début de croissance est toujours dans de meilleures conditions, donc ça permet que la plante pousse plus vite. Donc forcément, ce légume-là, une laitue qu'on aura semée, par exemple, à l'intérieur, qu'on aura un peu repiquée, puis mettre au bon moment à l'extérieur, va pousser plus vite qu'une qu'on aura semée directement au jardin, parce que les conditions seront moins bonnes, et tant qu'elle va se développer, on aura perdu beaucoup de temps. Tandis que comme ça, vraiment, on gagne beaucoup de temps pour récolter.
En plus, lorsqu'on fait des semis au jardin, ça prend de la place. Tandis que quand on sème à l'intérieur, ben, ou sous abri, ben, c'est toutes des surfaces que l'on peut consacrer vraiment à la plantation des légumes. Donc si on sème une ligne de laitue au jardin, il faut que les conditions soient bonnes pour lever, ensuite attendre qu'ils s'en grandent assez, les repiquer encore ailleurs, eh ben, cette place-là, elle aurait pu être utilisée pour autre chose. Alors, il y a certaines plantes, bon, on a parlé par exemple du persil. Eh ben, le persil que l'on sème en pleine terre, on a de plus en plus de mal à le garder en bonne santé. Tandis que une plante de persil qui a été semée à l'intérieur, repiquée, peut-être en godet, et puis repiquée au jardin, brin par brin, comme disait Ignace, eh ben, on aura beaucoup plus de chances de réussir le persil. Parce que souvent, le persil jaunit. Et c'est souvent à cause de la mouche, qui est une mouche des ombellifères, donc des carottes. Et elle vient piquer, je veux dire, la racine. Et c'est ça qu'elle jaunit, que le persil jaunit. Donc en l'élevant à l'intérieur, dans de bonnes conditions, on évite tout ça. Donc on a toujours donc un stock de plantes en stock. D'ailleurs, Gilbert, ici, souvent, trouvait que son jardin n'était jamais grancé. Il avait semé tellement de choses dans le bac que certaines plantes finissaient par se développer en bac, alors qu'il n'avait pas trouvé de la place, tellement il voulait en mettre. Hein. Donc, voilà, c'est pour dire qu'on peut se faire un stock de plantes comme ça. Le tout, c'est de bien gérer ça, en quantité. Alors, le fait aussi qu'on fait de l'économie de semences, c'est-à-dire que quand on sème, par exemple, dans ces alvéoles-là, une graine par alvéole, une ou deux, eh ben, on ira beaucoup plus loin qu'un sachet que semer comme ça à la volée ou bien en ligne au jardin. Donc, chaque graine sera mieux rentabilisée. Donc, on fera des semis plus fréquents, mais en plus petite quantité. Donc, notamment ce qu'on a besoin. Donc, pour les laitues, on recommande de faire tous les 15 jours un petit semis. Donc, si on fait ça à chaque fois en pleine terre, au jardin, ben, ça prend pas mal de surface. Alors, ça permet aussi une meilleure association des plantes. C'est-à-dire que lorsqu'on a des plantes en stock, on disait par exemple l'association de différentes plantes. Bon, admettons, je vais prendre un exemple. On plante sur des petites buttes, par exemple des oignons. Des oignons Mulhouse ou Stuttgart. Et au milieu, donc on les espace de 70 cm. Et entre deux, on peut venir repiquer, par exemple, des laitues qu'on a développées, semées, par exemple, en alvéoles. Et ensuite, en attendant, chaque laitue peut être repiquée, par exemple, dans un godet comme ça. Et parfois, même dans les magasins, on vend des laitues avec racines. Et c'est pas plus grand que ça. Donc, une fois que la laitue s'est bien développée, on peut venir repiquer. Donc, les oignons sont là. On vient les repiquer là, entre deux. Et ensuite, si on a semé, par exemple, des choux de Bruxelles, on vient encore repiquer les choux de Bruxelles au milieu. Donc, qu'est-ce qu'on va récolter d'abord? D'abord, les laitues. Ensuite, les oignons, et alors seulement l'automne, hiver, on aura les choux de Bruxelles. Donc voilà, ça c'est une association. Donc ça permet de faire des rotations de cultures, des associations.
Bon, autre point intéressant aussi, c'est la gestion des mauvaises herbes. Donc, parfois, en début de saison, c'est un peu compliqué à nettoyer le jardin. Voilà. Et si on a des plantes plus grandes qui viennent s'implanter, on aura eu le temps et l'espace de bien nettoyer dans de bonnes conditions, quand la terre est meilleure, et venir implanter déjà des plantes plus ou moins assez grandes qui vont plus se laisser envahir. Alors, ça peut aussi servir pour des plantes qui ont besoin des conditions ou des terres spéciales. Je pense, par exemple, en sol acide, terre de bruyère, tout ça. Bon, forcément, dans son jardin, on n'a pas ces conditions-là. Alors, on peut mettre en terrine, par exemple, de la terre de bruyère ou avec un peu plus de tourbe. Et ou bien du sable, en fonction des plantes que l'on veut cultiver, ben voilà, ça permet de cultiver ces plantes un peu particulières. Il y a aussi des semis qui, parfois des graines qui demandent à ne pas être couvertes. C'est assez rare, mais un exemple que tout le monde connaît, c'est le basilic. Donc le basilic, on sème par exemple des pots comme ça ou un peu plus grands. Et donc on remplit de terreau et on vient mettre les graines au-dessus, simplement les tapoter pour qu'ils rentrent un peu dans le sol, mais la graine peut rester en surface. Donc elle germera beaucoup mieux que si vous l'enterrez. Donc ça c'est un cas particulier pour le basilic. Alors ça peut se faire quand? Donc on a parlé du printemps. Fin d'hiver et le printemps, ben alors il faut aussi avoir un peu un équipement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tout garder à l'intérieur. Donc il faut essayer d'avoir soit une serre, une couche, ou parfois des petites serres de semis. Il y a parfois des gens qui confectionnent avec du plastique souple et une armature en bois, des petites serres que l'on peut ouvrir facilement et refermer. Et c'est pas très grand, hein, c'est peut-être grandeur d'une table, par exemple. Et voilà, ça permet de faire des semis et de mettre en pleine lumière les semis qu'on a fait. Parce que le gros inconvénient, c'est quand on sème à l'intérieur, qu'on n'a souvent pas assez de lumière. Et surtout, à la fin de l'hiver et au printemps. Parce que les jours sont courts. Donc, la lumière artificielle manque. Et c'est ça le gros danger, parce que pour janvier et février, quand j'entends des gens qui sèment, et voilà, surtout des tomates qui poussent quand même relativement vite, bah après, voilà, cherche la lumière, il faut de la chaleur, il faut de la lumière, et on ne l'a pas. Bon, bien sûr, maintenant, on vend aussi des rampes lumineuses, même avec des LED, bah, mais tout ça, ça coûte, il faut bien gérer ça. Je pense que ici c'est peut-être pas trop la politique de la maison, c'est essayer de faire avec ce qu'on a et de faire ça intelligemment. Bon, éviter de commencer trop tôt certaines plantes, sauf par exemple poivrons, aubergines, qui eux demandent bon, de la chaleur et ils mettent beaucoup de temps à lever. Donc s'il faut 3 semaines à l'intérieur, pendant la germination, il ne faut pas de lumière. Donc, tous les semis que l'on fait, en tout début de germination, on pourrait les mettre à l'obscurité. On pourrait même les mettre sous le soleil, si on veut. Mais dès que ça germe, il faut de la lumière. Et ça, il faut un maximum de lumière. Et gérer la lumière et la chaleur, c'est compliqué. Certains légumes qui nécessitent plus cette chaleur, par exemple, on a parlé du poireau, ben lui, il peut très vite aller dans une pièce plus fraîche. Et pour ça, il faut une pièce plus fraîche. Donc, pour la serre, ça reste quand même des températures très froides. Oui. Malgré que c'est une serre, donc pour les semis. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que, par exemple, une tomate, ben, moi, personnellement, je ne commence pas mes tomates avant le 1er mars. Même si j'ai des serres et tout ça, je ne commence pas avant. Poivrons, je peux commencer avant. Les toutes premières tomates, c'est le 1er mars.
Et le gros, c'est à partir du 15 mars. Mais ton semis, tes pots, tu les mets dans la serre déjà. Non. Le semis à l'intérieur, au chaud. Ouais, donc ça, c'est au chaud. Pour les semis, c'est bien d'avoir une serre, mais c'est après, une fois qu'ils sont levés. Mais pour ça, par exemple, les laitues, on prend un autre exemple. Si vous semez une laitue au chaud à 20 degrés, c'est beaucoup trop. Donc une laitue, l'idéal, c'est 15 degrés. Donc quand on. Et moins, c'est pas grave, elle va. Va traîner un peu plus longtemps à lever, mais ça ne sera pas dramatique pour récolter la laitue plus tard. Bon. Par contre, si vous la semez à 20 degrés et que vous ne savez plus où la mettre, elle a filé, elle va venir fine, étiolée, et vous allez essayer de la mettre plus au frais, elle va être liquidée parce qu'elle est trop faible en fait. Donc il vaut mieux, dans ce cas-là, semer en serre et patienter. Donc quand il y a des périodes de soleil comme ça, en serre, la température monte. Hein. Moi j'ai vu là, les jours qu'on a eu du soleil, on monte facilement 15 degrés dans une serre. Hein. Parfois pas loin des 20, tout dépend. C'est plus pour la nuit, donc voilà. Voilà, donc moi en fait quand je sème mes tomates, voilà, ils sont semés à l'intérieur, et une fois qu'ils ont germé et que le temps le permet, ça doit être au-dessus de 12 degrés. Il faut qu'il y ait 12 degrés dans une serre. Vous pouvez aller mettre vos tomates qui ont commencé à germer. Bon, allez, ils sont déjà plus ou moins grandes. Voilà, ça permet de les ralentir. Le feuillage va revenir un peu plus foncé, la tige aussi. Donc ça va les renforcer. Et alors, la nuit, il faut rentrer. C'est un peu. C'est un travail. Hein, donc. Mais voilà, si on veut faire des choses un petit peu avant. Les trucs précoces, ben voilà. Ouais. Il ne faut pas confondre intérieur avec serre. Hein. Ben oui, c'est ça, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Hein. Ouais, je parle de serre froide. Donc il y a des serres chauffées, que là, moi j'exclus aussi, puisque je trouve que on sait faire des choses plus économiquement et plus simplement que de s'équiper avec plein de choses qui finalement consomme de l'énergie, bon, c'est pas toujours utile. Hein. Si c'est pour faire le concours avec ses voisins, non, c'est pas. Je trouve que bon, il vaut mieux faire ça intelligemment. Avec une couette. Ben, il faut de la lumière. Hein. Mais la nuit. Alors, ce qui est important, c'est avoir des pièces bien éclairées. Donc, si par exemple on fait un semis en bac et qu'on vient la coller à la fenêtre. Bon, vous avez une lumière qui vient de la fenêtre. C'est une lumière qui est. C'est pas une lumière qui vient du haut, une lumière zénitale. Donc, ça, c'est beaucoup plus important, plus intéressant d'avoir. Parce que là, ça évite que ça file. Et souvent, si on ne tourne pas les semis, ben, on voit que la plante, elle cherche à s'orienter vers la fenêtre. Donc voilà, donc ça c'est l'idéal. C'est des... Par ici, avant les maisons avaient presque toutes des vérandas non chauffées. Hein. Et là, ça permettait de garder hors gel et pleine lumière. Et là, il n'y a pas de souci. Et la nuit, ben voilà, ça ne gelait pas, donc quitte à les rentrer même, bon, pour les plantes frileuses. Alors je disais, bon, on peut faire ça en toute saison, donc même en été, parce qu'on a remarqué qu'on a aussi parfois des étés très chauds. Et par exemple, une laitue, ben, au-delà de 23 degrés, ne germe plus. Donc il y a des périodes où on avait 25, 30, 35 degrés. Vous pouvez semer et arroser autant que vous voulez, il n'y a plus rien qui lève. Donc, et ça, c'est à cause de la température. Donc c'est intéressant parfois d'avoir... autour de sa maison ou dans un coin de son jardin, des endroits un peu plus ombragés, qui fait moins chaud, et qu'on puisse installer par exemple une table ou des planches sur des tréteaux, et de pouvoir semer des choses donc un peu à l'abri de la canicule, et qui permettront de regarnir le jardin par la suite. Donc semer aussi en godet, et puis repiquer, voilà, en godet, et puis
toutes ces plantes-là peuvent être mises soit dans le jardin ou soit après en serre. Donc, et ça, justement, à l'approche de l'automne, c'est intéressant d'avoir aussi des semis qui ont été effectués en cassette. Et l'année passée, j'avais fait ça. Donc, donc tant qu'on avait des tomates et des poivrons, tout ça, dans la serre, on ne sait pas venir implanter ces légumes. Donc, j'ai semé, par exemple, des scaroles, des endives frisées. J'ai repiqué en godet comme ça. Voilà. Par la suite, et elles sont là en attente à l'extérieur. Et une fois que j'ai libéré la place dans la serre, ben, je viens implanter ces plantes-là, déjà grandes. Donc, je n'ai pas dû attendre trop longtemps et ça continue à pousser. Donc la serre, elle est aussi utilisée de façon optimum. Pour l'arrosage, pour les semis, il faut faire attention. Oui, ben, je vais un peu expliquer ça. Je vais peut-être aller un peu plus vite, parce que sinon je ne vais pas arriver. Hein. Alors, le matériel. Donc, on peut semer en truc étanche. Des bacs étanches. Voilà, sans trou. Donc ça, c'est bien aussi pour un intérieur. Quand, avec son conjoint, il faut négocier des places. Bon, on n'a pas de la boue partout. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose de propre. Donc, on arrose une fois bien au départ. Le tout, c'est d'avoir suffisamment de hauteur. Donc si par exemple on a des hauteurs, mettons que j'aurai des bacs comme ça un peu moins haut, vous risquez de devoir arroser à nouveau pendant la germination. Et là, c'est souvent la catastrophe parce que on risque de stresser les plantes par un choc thermique, et c'est alors qu'on a la fonte de semis. Pardon ? Avec un vaporisateur et qu'on laisse dans la pièce qui est à la température, ça aurait été ça. Ça peut aller aussi, oui. Mais si on a un grand stock d'eau, bien du terreau, on met de l'eau au départ, ben, il ne faut plus y toucher pendant un mois. Donc la plante, elle va pousser, elle a de l'espace, elle a de la terre en suffisance pour tenir le coup. Donc même une graine, elle a suffisamment d'énergie dans la graine pour s'alimenter pendant un mois. Donc il ne faut pas non plus y mettre de l'engrais. Donc c'est inutile, ça je vais expliquer. Donc hauteur minimum 10 à 12 cm pour des poireaux. Bon, il y a parlé même de plus grand, on peut même mettre plus haut, voilà, parce que les poireaux restent plus longtemps. Moi, personnellement, j'ai jamais trop réussi mes poireaux en container. Je trouve que le semis en pleine terre donne plus beaux résultats. On peut faire, par exemple, une paire de pots comme ça, des poireaux actifs, pour dire de repiquer avant, pour avoir des poireaux d'été. Donc ça, c'est tout à fait possible. Alors j'ai dit un écart d'arrosage, un écart de température de l'eau par rapport au substrat, si c'est plus 1 ou 2 degrés, ou au-dessus de la température du substrat, ou en dessous, ben voilà, on crée un choc thermique, et les plantules sont très sensibles quand elles germent, et voilà, elles reçoivent un choc thermique, elles ne sont pas bien, et c'est ça qui crée... Donc en fait, c'est comme un champignon qui vient parce que la plante, elle est affaiblie et elle est... Alors les plantules se couchent. Donc on a peut-être déjà pu voir ça. Et ça se produit parfois par tâche. Ça commence à un endroit et puis ça continue. Donc toujours remplir jusqu'en haut. Donc si par exemple, on mettrait un pot comme ça et on met que... On dit tiens, il y a assez, je mets dans le fond... Ben là, il manque de la lumière. Parce qu'il faut vraiment que, quand ça germe, il faut qu'il y ait un maximum de lumière. Quand c'est rempli jusqu'en haut, ben la plantule, elle sort et elle a de la lumière tout autour d'elle. Si elle est dans un endroit, une petite vallée, comme si on peut dire, ben voilà, elle va manquer de lumière, elle va filer. Le substrat. Donc, qu'est-ce qu'on utilise ? Vraiment un terreau de base,
de base, donc un terreau universel. On vend souvent des terreaux de semis dans lesquels on a ajouté du sable, du, de la... Oui, ouais, ou de la... Vermiculite. Oui, ouais. Et bon, tout ça, ça se paye. Donc, Vermiculite n'est pas encore trop cher. On a des gros sacs. Ils emploient ça pour mettre dans les cheminées comme isolant. Mais souvent, ben voilà, on ajoute plein de trucs. Bon, c'est une manipulation que l'on paye, en fait. On pourrait très bien faire ça soi-même. Alors, si vous ne pouvez pas acheter le terreau tout à fait bon marché, qui est presque de la tourbe, parce que là, il n'y a vraiment rien dedans. Donc, moi, j'ai remarqué, il y a des sacs qui se vendent à 2-3 euros. Ben, il n'y a rien dedans. C'est de la tourbe. Alors que un terreau universel, ben, vous avez parfois un peu des déchets, mais... Nous avons au moins une base d'humus et c'est suffisant. Si vous faites du terreau maison, donc les gens qui font du compost et qui le laissent aller jusqu'au bout, donc qui est au stade de terreau, ben voilà, là il y a peut-être plus de risque d'avoir des champignons pathogènes qui sont présents. Alors là, je recommande de rajouter, par exemple, un tiers de tourbe pour acidifier le milieu. Comme ça, ce n'est pas favorable au développement des champignons. On ne peut pas employer le compost pour repiquer en goût. Ah oui, si. Après, oui. Mais pour la levée, ce n'est pas nécessaire. Ah oui, pour les semis. Le semis est le premier mois, en général, un mois. C'est pas utile. La plante, elle a en elle tout ce qu'il faut. Elle a juste besoin d'un support et de l'eau, évidemment, pour pousser. Autrement, le reste, c'est pas nécessaire.